Non, mais je pense que là, il faut frapper une bonne fois pour toutes. Non, mais c'est vrai, quoi, il y en a marre de ces chômeurs. Les chômeurs, c'est un petit peu comme les immigrés. Ils se reproduisent, ils se multiplient. Il y en a même qui n'ont pas de domicile fixe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, évidemment, pas de frais de chauffage, pas d'impôts locaux, même parfois pas d'impôts du tout. Alors, on apprend en plus qu'il y en a qui ne se soignent même plus, vont plus chez le médecin. Donc, bonjour les microbes, donc bonjour les épidémies. Et en plus, ils se nourrissent mal, c'est une horreur. Ils ingurgitent des produits de mauvaise qualité. Pouh ! Du coup, ils grossissent comme des bovins. Et ils s'habillent avec du bas de gamme. C'est simple, hein ? D'un goût. Mon Dieu. Tiens, l'autre jour, j'ai croisé un homme dans la rue. Et là, provocateur, hein ? Un tout petit pull par ses grands froids. Et un pull, mais alors ? Je sais pas, un truc de récupération certainement, ou fabriqué en Chine, tricoté à la main certainement. Quelle décadence. Non, là, je crois qu'il faut vraiment agir. Très sincèrement, il faut interdire une bonne fois pour toutes la pauvreté. Et c'est tout. Pour interdire la pauvreté, une seule solution, voter UMP.